Ça, c'était la protection des mulets qui rendaient d'énormes services dans les montagnes, partout dans les propriétés du Val-Espire surtout, qui sont escarpées. Vous savez qu'un mulet, ça coûtait 120 kg, même plus. Attendez, on a vu des marques. Même dans les montagnes. Donc, ils viendront, il y en aura une dizaine. Vous verrez, c'est très joli, c'est une fête traditionnelle, c'est une des plus belles d'Amélie. Donc, ils seront bénis par le prêtre d'Amélie qui fera, vous verrez, une belle bénédiction, assistez-y. Et là, ces fêtes sont faites partout, surtout dans les pays, dans Catalogne, il y en a partout, vous savez, les feux. Mais c'est très marqué chez nous, et on sautait dans le feu. Maintenant, on s'est regroupé, j'allais dire, je dirais une bêtise, comme tout dans toute association. Et après, ça repart des hauts, des bas, parce que quand on voit même vous, là, l'assistance que vous êtes, c'est un essai qu'on fait cette année. On l'avait fait il y a 10 ans, parce qu'on n'avait pas appris. Cette année, ce sont deux ou trois personnes qui ont dit, on pourrait après nous aller la chercher là-haut. Et on fait ça un peu plus tôt, parce qu'on s'apercevait que vers 19h, les gens rentrent manger dans les hôtels, dans les meubles, etc. Même nous, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on l'a fait plus tôt, la flamme va arriver, vous la verrez, et c'est la tradition qui commence. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un renouveau. Alors qu'on le faisait avant, on n'allait pas là-dedans, on le portait au musée, il y avait quatre personnes, c'était rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour tout marché de la République, pour tout marche. Donc, par contre, ce soir, les Sardanes seront place de la République sur le podium de la Cobla, c'est une Cobla sous bois. Vous pouvez en prendre, il ne faut pas toucher à l'écrivain passionnément à la folie. C'est pas la question. Pour la presse. Sur les vêtements de ça. Sans cacher ton drapeau catalan. D'accord ? Attendez, voilà. Alors, qui a été allumée par hier au pic du Canigou. Elle a été allumée donc hier au pic du Canigou. Elle a été apportée par des enfants jusqu'à Vatère. Nous avons récupéré cet après-midi à 14h. Nous voulons allumer ici. Cette même flamme va continuer, elle va aller jusqu'à Pradal et à Montmolo. Et elle retournera à nouveau pour l'année prochaine à la Casa Péa. Oui, si tu peux aller à l'île. Oui, quand même. Je dis, il va pas me laisser. Mets-toi dans le champ. Mets-toi la manche. Oh, ça me fait bien. Salut, toi. Mets-toi bien ici. Attends, ils sont allés quand même aller chercher. Alors vous voyez, c'est la flamme du Canigou. Hein, comme dit je me soucie de Jacques, qui est un des anciens d'Amis de l'âme, vous voyez, comme quoi il faut tout savoir. Elle a été allumée hier après-midi au Canigou, hier, déjà. Et elle a fait le voyage ce matin, et elle est arrivée à Batère cet après-midi à 2h. Donc il fallait qu'il y soit... Ce soir, on va prendre les feux de la Saint-Jean. 2h30, vous l'apprenez. Qui c'est qu'il y avait là-haut Arlésiens, comme je vous ai dit, Arlésiens, qui sont allés la chercher au pic du Canigou, d'accord, ce matin. Aller-retour, il faut savoir qu'il y a 6 heures de marche. Alors, on va vous distribuer ça déjà, on va vous distribuer des petits bouquets.
qui plante des porte-bonheurs de tous les Catalans et qui est les herbes de la Saint-Jean. On le rencontre aussi dans le temps, des croix comme celle-ci, qu'on suspendait au-dessus de la porte, et toutes les personnes qui passaient sous la porte étaient protégées par les herbes de la Saint-Jean. Oui, alors cette même plante, elle a été, on allait la chercher à l'aube de la Saint-Jean. C'est-à-dire que c'était la nuit la plus courte de l'année, les jeunes se réunissaient, on faisait un feu, et à l'aube, on allait chercher ces plantes-là. C'était les fleurs de la Saint-Jean. Alors toutes ces plantes-là ont en principe des vertus plus ou moins pharmaceutiques. Hein. Vous avez rosé. C'est une plante qu'on s'est servie, on faisait macérer dans de l'huile et on s'est servi pour les maladies de peau. Également d'ailleurs la feuille de noyer. Chacune avait des noyers. C'est le noyer, c'est la feuille qui sert de support à la croix. Ensuite nous avons le mille-perdu, ensuite l'immortel. Et alors celle-ci, c'est une plante un peu étrange, l'orteil, qui continue à vivre. Il continue à marrer qui meurt, il continue à se redresser, à fleurir. Et dans un an, il continuera à fleurir. Il ne meurt jamais. C'est une plante de grâce qui ne meurt jamais. Moi aussi, je suis le père. Attention, je n'en. Au pied du caribou. Et à vous. On va la former. De quel côté on doit se mettre? Thank you.
Écarte tes jambes, mon roi, aide-moi.
Thank you.